Bonjour, mon nom c'est Éric Sioui. Je suis le coordonnateur du programme de formation itinérante. Le programme de formation itinérante existe depuis 2001. Dès le début, on a commencé. Le début du programme a débuté avec, malheureusement, une tragédie. La tragédie de Walt Curtin en Ontario, où, à cause de l'eau contaminée, il y a eu 7 morts et 2000 malades, dont 700 personnes encore aujourd'hui ont des problèmes gastro-intestinaux. Donc, Affaires autochtones a voulu qu'une telle tragédie n'arrive pas dans les communautés des Premières Nations, les 27 communautés des Premières Nations du Québec. Le constat était que les infrastructures manquaient de mise à jour des usines, puis les opérateurs avaient besoin plus de formation pour opérer l'usine, puis il y avait un manque de budget et un manque d'entretien. Alors, notre programme a commencé à former les opérateurs. On a 65 % de notre clientèle qui est francophone et 35 % de la clientèle qui est anglophone. Donc, on a commencé un programme de formation 2002, 2003, 2004, des cours certifiés avec des professeurs, puis un suivi, un compagnonnage avec des techniciens expérimentés. C'est alors que est venue l'idée en 2006 de faire la première Olympiade, compétition amicale où on vérifie ou on mesure avec des activités les connaissances acquises par les opérateurs et puis ça permet de réseauter, d'échanger et de voir que la réalité qui se vit un peu partout, chacun ses mêmes problèmes et un échange de solutions. Les opérateurs qui produisent l'eau et les contrôleurs qui regardent la qualité d'eau ont dans le fond un même but commun. C'est la santé publique. Donc, on a voulu faire travailler ensemble les producteurs d'eau et les contrôleurs communautaires. Donc, on a une conférence à chaque année depuis 20 ans avec les opérateurs des usines d'eau. Et puis, on est à la deuxième édition de la conférence conjointe avec les opérateurs et les contrôleurs communautaires. Lors des Olympiades, on lui fait faire des équipes mixtes qui permet de voir c'est quoi le travail d'un opérateur et les opérateurs peuvent voir en quoi consistent les responsabilités d'un contrôleur communautaire. Cet bel échange-là permet de travailler en équipe, permet d'augmenter le degré de protection pour les Premières Nations. Ici, en fait, c'est ça, on a les équipements pour faire des réparations de conduite, s'il y a des bris, des choses du genre. En fait, pour percer des nouvelles prises de... Les nouvelles entrées d'eau. Ça se déroule en deux étapes. Il y a des pièces à identifier. Il faut que les opérateurs soient capables d'identifier les pièces en question. Et sont notées sur ça. Et par la suite, on leur fait faire une entrée de service là, avec tous les processus au niveau du passage de nouvelle entrée de service. Ça résume pas mal qu'est-ce qu'il y a en maison. Pour les Olympiades de 2022, ici, dans le fond, c'est une simulation d'une fuite sur un main, hein, une conduite principale. Et puis, les gens doivent dire tout simplement comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour réparer la fuite. Alors, bien sûr, avec l'aspect sécurité, les outils, la technique et puis tout ce qui vient avec. C'est une dizaine de questions qui se passent sur une vingtaine de minutes environ. La station ici, c'est pour l'identification des équipements qu'il y a dans l'usine. Donc, à travers l'usine, on a mis des collants sur des équipements comme qu'il y a en arrière de vous. Puis les candidats, ils doivent aller trouver l'équipement, ensuite dire quel est le nom de l'équipement et quelle est son utilité, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi la fonction. Donc, il y en a ici, il y en a un peu partout dans l'usine. Quand ils sont terminés à faire ça, ils s'en viennent ici, puis on prend un échantillon, on fait une analyse de chlore libre. Puis, dépendamment de la concentration de chlore libre, la couleur va être plus ou moins rose. Puis, ils doivent deviner quelle est la concentration en regardant visuellement avant de mesurer. Donc, l'équipe qui a deviné le plus proche de la lecture actuelle, ils vont avoir un point de bonus. Ici, c'est la station des examens théoriques. L'objectif, c'est d'évaluer les connaissances théoriques des CCQE et des opérateurs. Les CCQE ne seront pas capables de répondre aux questions des opérateurs et vice-versa. Donc, ils doivent absolument travailler ensemble pour répondre aux questionnaires comme ils font en terrain. L'activité qu'on fait aujourd'hui, c'est en fait, c'est de
de prendre le groupe et essayer de les aider à deviner qu'est-ce qui pourrait causer des problèmes de résultats positifs aux coliformes sur un réseau. Donc, on leur pose des questions par rapport à la situation, un problème scénario, et ils émettent certaines hypothèses pour voir s'ils ils connaissent bien les causes de contamination, comment utiliser leurs outils pour les détecter et confirmer finalement quand on a des résultats positifs ou négatifs, si tout, tout est en règle. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Et on leur fait pratiquer aussi l'utilisation d'un autre appareil par rapport à des mesures de chlore et de turbidité, vraiment pour faire pratiquer le hands-on travail qu'ils font au jour le jour. So what this station is doing is actually looking at the chlorine levels and the turbidity levels inside the water system. So we have the technicians checking for a free chlorine level and as well as a total chlorine level. What they're also looking for is the turbidity. That's essentially how clear, how cloudy the water is. The reason for the chlorine check is that we need to maintain a minimum amount of chlorine in our distribution system, but not an excessive amount. That's why we kind of look for both. And the total chlorine is just any kind of byproducts or any buildup of anything that we really do not want in our finished water. Ici, c'est la station pour la dégustation de l'eau. Donc, il y a un concours qui a été organisé. Cette année, c'est des communautés participantes, c'est des communautés qui retirent leur eau, qui prennent l'eau de surface, qui en font le traitement. Donc, on a quatre communautés qui ont porté leur eau. On a Kanawagé, Pessamit, La Romaine ainsi que Masloyash. Donc là, les bouteilles sont mélangées, les gens prennent un échantillon de chacune, de chaque eau des communautés et en fait l'évaluation sur quatre critères qui est le goût, la couleur, la clarté. Suite à ça, ben, on va compiler les résultats et la communauté qui va avoir reçu la plus haute note va recevoir, va être déclarée comme étant, ayant la meilleure eau de surface des communautés autochtones au Québec. Donc, à une certaine époque, on avait des bornes d'incendie à porte et maintenant, on a des bornes d'incendie à compression depuis les années 60, 64, 67, grosso modo. Nos bornes d'incendie sont à compression. On utilise la pression de l'eau pour maintenir le robinet fermé. Quand on ouvre le robinet, on vient pousser comme ça pour laisser sortir l'eau. Ce qu'on voit dans le cinéma, ben en fait, dans les films d'Hollywood, quand il y a une auto qui vient frapper une bombe d'incendie puis que ça se met à gicler dans les airs, on n'a pas ça. OK? Parce que quand je viens casser mon mécanisme ici puis casser mon mécanisme là, ben j'ai la pression d'eau qui maintient le robinet fermé. Bien, bonjour, je m'appelle Martine. Je suis gestionnaire aux travaux publics à Picogan depuis plusieurs années. J'y travaille depuis bientôt 17 ans. On me pose la question à savoir quelle est l'importance des formateurs itinérants dans notre communauté. C'est super important. Je ne sais pas, on n'y arriverait sûrement pas sans eux. C'est une importance de haut niveau, surtout pour qu'est-ce qui est du SREB. Les formations aussi qu'il offre pour nous, il y a beaucoup, beaucoup d'employés qui arrivent dans nos secteurs avec peu ou pas de formation, mais qui ont la capacité puis ont le vouloir d'apprendre. Fait qu'avec eux, ben, on nous offre plusieurs possibilités de formation. Puis aussi, dès qu'on a besoin ou qu'on a un souci, on les appelle, ils vont déployer des gens pour venir nous aider. Puis c'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Linda Picoutlegan, je suis représentante en santé communautaire et CCQE pour la communauté de Ouachat et Maliutenam. Notre rencontre sur la conférence avec les opérateurs et les CCQE, pour moi, ben, ça a une grande signification parce que c'est plaisir assuré et rire assuré d'échanger avec les collègues qui font les mêmes tâches ou nos collaborateurs aussi, d'échanger avec eux autres. Puis c'est une forme de reconnaissance aussi de pouvoir se réunir puis de se rencontrer. Puis je veux remercier aussi tout le personnel de Mamie-Tinouate et de Service Autochtone Canada parce que c'est vraiment une belle activité. Bonjour, mon nom c'est Patricia Rioux, je suis représentante de Service Autochtone Canada. Et je m'occupe du programme de formateurs itinérants. Ce programme-là a été créé en 2001. SAC a supporté le programme depuis ce temps-là et aussi tout son développement. Ce qu'on donne, c'est les orientations et les formateurs itinérants, eux, font le travail qu'ils ont à faire avec les communautés. Et le but, c'est de rendre les communautés le plus autonomes possible en la production d'eau potable et d'eau usée. Une journée comme aujourd'hui, premièrement, c'est la communication, le réseautage,
l'ensemble des communautés qui travaillent ensemble pour faire les Olympiades. Fait que c'est très, très intéressant pour ça. C'est intéressant aussi pour vérifier aussi la connaissance de ces opérateurs-là. Puis, Services autochtones Canada supporte grandement ce genre d'événement et va les supporter pour les prochaines années parce que c'est un plus pour les communautés. Bonjour, je me présente, Patrice Dupont, des services de santé environnementale et publique, le Service aux Autochtones Canada. Je suis agent d'hygiène du milieu, j'ai débuté en 1981 et j'ai quitté et je suis revenu depuis environ 17-18 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme de contrôle de la qualité de l'eau potable, plus spécifiquement des contrôleurs communautaires de la qualité de l'eau. L'objectif, finalement, était de faire en sorte que les communautés puissent elles-mêmes prélever et analyser l'eau potable pour fins bactériologiques dans les communautés. Donc, ça se passe en terrain plutôt que d'envoyer les échantillons au laboratoire. G'day, my name is Terry Perrier. I'm a member of Kibawek First Nation. Currently, I'm the Director of Public Works and Community Infrastructure in my community. I'm also a trained water plant operator, certified through Emploi Québec. All the people I've known and met are great people, and they're all dedicated to the work we have to do of creating clean water, treating sewage, and building good infrastructure. So, thanks everybody. On travaille en protection de la source, on travaille en traitement des eaux avec les Premières Nations, puis on est maintenant rendu en prévention incendie. On forme les pompiers autochtones des 16 communautés qui ont une brigade incendie, puis les 9 autres qui font affaire avec une ville, on fait de la prévention incendie avec les gens. Donc, c'est tout. Puis je souhaite que le programme ait longue vie.